Oh mon dieu! Et oui, nous sommes en live. Bienvenue sur Cyprien Gaming. Ouais. Et est-ce qu'on joue seul ce soir? Mais non! Je vais faire du bruit pour John Rachid! Oui! C'est mort, dame! Bonsoir, non, pas tout de suite! Ah, pardon! Bonsoir tout le monde! C'est quoi ton perso? Parce qu'en fait, on a des gens qui touchent pas mal. Moi, je touche, on a joué pendant un mois et demi à peu près. Et vraiment, je suis très fort, je suis arcaniste au niveau 29. Ça veut dire que j'ai une vie un peu moyenne. Notre prochain invité. Norman. Ouais. Salut. Allez, salut, ça va? Enchanté. Salut. Ça va, j'adore ta coupe. C'est quoi ton perso du coup? Ah, moi je joue arcaniste. Ah, vous êtes deux arcanistes original. C'est-à-dire qu'on est un duo arcaniste. Tout à fait, on a joué pendant un mois non-stop tous les soirs. Ouais. Et donc on est vraiment très fort maintenant. Toi tu joues? Moi je jouais chasseur. Ok, je suis chasseur aussi. Voilà, deux chasseurs. J'ai comme l'impression qu'il faut accueillir notre dernier invité, Michael Youn. Ouais. Mais comment c'est possible? C'est incroyable. Mais ça. Ah, tu veux serrer toutes les mains en même temps. Tu sais, ça c'est les réflexes pas du web mais de la télé. Bonjour. Très bien. On se dit bonjour tout simplement. Bien sûr. T'es un moyen joueur de Destiny finalement. Moi, je suis un très très bon joueur de Donkey Kong. Ah oui, bah, c'est parfait. Pac-Man. Je suis plus resté à peu près à ce niveau-là. Bah, ça va être compliqué. Non, pour mais toi. Je peux comprendre. Vous allez m'expliquer. Je non, mais je suis un béotien. T'es prêt à le coacher ou pas? Ah, c'est moi qui coach. Ouais. Et moi, j'ai envie de faire du bruit pour notre dernier invité qui est un peu le lot de la soirée. Mais il est où? Et ben, on va faire du bruit. Il va venir par une trappe. Attention. Faites du bruit pour Godjan 23, s'il vous plaît. Ouais. Il était là depuis le début. Quelle entrée. Attends, j'étais juste là et je t'ai pas vu. T'étais déguisé en parquet. Position fait, oh, non, trop bien. Mon rôle, ça va être un peu le maître de cérémonie, je vais vous dire. Le MC, on peut dire MC. Un petit peu. JR a dit MC. MC. Est-ce que c'est pas un peu pompeux comme titre? Si, mais j'aime bien. Académique. Je voulais vraiment le placer. Maître de cérémonie, donc je vais vous dire à peu près ce qu'on va faire, où on va se. Les missions qu'on va aborder, ouais. Etc. Et histoire que ça soit assez fluide et très fun, parce que. On vous a choisi quelques petites missions. Pas piquer des hannetons. Voilà, Pas piquer des hannetons. On fait des expressions de vieux ce soir. Des expressions de télé. C'est normal, je suis là. Ah, d'accord, mais peut-être on va vous laisser. On va faire un live pour les jeunes juste à côté, ça vous dérange quand même pas. 55 ans. Comme 55 ans. Excusez-moi, j'ai une question de néophyte, parce qu'il y en a peut-être aussi des néophytes qui regardent et qui connaissent pas. Ah, mais comment, c'est pour ça qu'on fait. Quel est exactement le but de la mission de Destiny? Très bonne question. Parce que est-ce qu'il faut gagner la Coupe du Monde? Est-ce qu'il faut réussir à parasiter une société, est-ce qu'il faut réussir à vendre de la drogue et qu'est-ce que c'est exactement ce jeu? Alors déjà, bon, c'est un monde manichéen. Hein. Le bien contre le mal, on est 700 ans normalement après notre ère. Évidemment. Au niveau vraiment histoire, je sais qu'il y a là sur la tour, c'est la seule partie qui est protégée par la grande sphère que vous voyez là dans le fond. Et donc les humains, etc., sont un petit peu regroupés ici malheureusement. Alors que là, on peut danser quand même. Il y a des danses. La tour, c'est aussi. Avec les aliens. Alors qu'est-ce qui se passe sur la tour exactement? Là on vient d'arriver, je suis avec mes potos, on est en train de danser une sorte de macarena. Mais gros moi je suis la blonde avec toi. Moi je suis la blonde. Fais un saut Lucas, fais un saut. Moi je fais un saut. Mais non mais en même temps. Le 5 c'est Lucas. Le 6 c'est John Rachid et le 4 c'est vous. C'est parti. Avec Norman, nous avons décidé de partager. Attention, un personnage qui part en couille. Une planète à deux. Ça n'a aucun sens. Je ferai les directions, Norman fera les directions. Alors vous êtes quoi? Vous êtes arcaniste là-bas? Ouais. Oui. Ok, let's go. Je me quéplan, on sait jamais. On la joue sécu. Ouais, ouais, attends, c'est quand même la première fois que je joue, on sait jamais ce qu'il y a derrière. Les deux autres membres de l'escouade sont là. C'est quelle mission exactement? Attends, là, c'est une mission qui s'appelle l'épée de Cropta. Ah, c'est pas mal ça. Donc l'objectif est légèrement sur la gauche. Voilà. Là-bas, on faut qu'il y ait. Ouais, boum. Voilà, donc ça. Viande-le. Viande. Alors, il faut aller là-dedans, c'est ça? Ouais, il faut vraiment avancer là-bas. Vous suivez l'objectif. Pourquoi on n'a pas d'autres noms? Ça fait pas mal ça. Sur la boussole. Oui, allons-y, les enfants. Oh, il y a plein d'ennemis ici, j'ai vraiment besoin d'aide. Vous qu'on aille là? Donc, non mais c'est bon, je sors. Nous on profite du game, on découvre voilà. Les moi, visages. L'important dans la vie, c'est de visiter on et vous de attend prendre dedans, les gars. Du plaisir. C'est la lune, on connaît assez bien la lune. Pas okay. Alors justement, il y a un mode quand même si tu veux explorer les différentes planètes. Là, on est vraiment dans une mission avec un objectif particulier, mais sinon, vous pouvez vraiment vous balader, soit seul, soit avec votre guide du routard. Exactement, le guide du routard interstellaire qui sort normalement dans quelques semaines. Je crois. Il y a des ennemis aussi. Il y a la coopération, il y a son canapé principal. Alors, trouver le parti. C'est le rituel du gouffre des enfers pour trouver le chevalier de la ruche et aider à manger l'épée de Cropta. Tu veux faire une partie à demain? Allez, on fait les X-Games. Les X-Games. Les X-Games. Voilà. On les fait exactement. C'est. Ouais!
excusez-moi, en fait, il y avait cette prise, je savais pas à quoi elle servait. Et ben, maintenant j'ai compris. C'était la prise de la Darty Box. Voilà. Vous aussi chez vous, ne débranchez pas votre Darty Box quand vous jouez. Qu'est-ce qui vient de se passer? On a eu un problème. On peut le dire? On peut le dire. On a eu un problème de connexion. Ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Oh là là, mais déjà on arrive, on se fait canard. Oh my god. Allez, go. Joue, je te coach, mon gars. Mais dis-moi. Porte-toi, il faut que quelqu'un joue là. Non. Faut pas que tu fonces dans les gens. Il faut que tu recules un peu. Mais moi je vais mourir tout de suite. Attends. Vise les fougères. Les mauvaises herbes, putain. Les mauvaises herbes uniquement. J'arrive. Super. Oh, quelle action. Alors, est-ce qu'on fait de life? Oulala, pas le plan B. C'est considéré la crise, hein. Tu le mec joues et que le chargeur d'en fait. Non, on va faire le plan de plus grand fan. Ouais. Ouais, regarde, je trouve que tu as la gâchette. Alors regarde, un peu facile. C'est tu peux regarder. Ça fait plaisir. Pourquoi tu recules? Tu as peur? Oui. Tu es simple. Grenada. Ouh, très lourd ça. J'ai posé mon arme et ça me fait rater. J'ai pas besoin d'arme. Ouais, merci Destiny, eux, je fais ça. Bah, tu vois, par exemple, lui, peut-être qu'il voulait. Avant que tu tues avec un petit peu. Non, non, peut-être qu'il voulait dialoguer. Non, mais dialoguer en prenant par le truc, par le jeu. Merde, j'ai complètement raté ce possible. Ça fait mal ton truc là. C'est tellement. Oh là là, ça marche bien ça. Il ressemble à quoi? C'était un test, un deuxième test. Hein. Je teste plusieurs fois la mort. Et ça marche bien, ça fonctionne. Chevalier décédé. Chevalier. Ah, c'est bon. Vous avez tué la prêtresse? Oh non, j'ai jeté pour rien. La prêtresse, elle est out? La prêtresse est décédée? Je sais pas, elle a disparu. Et voilà, ben, écoute, elle est rentrée chez sa mère, ça nous va. Comme je suis avec les pro gamers, au niveau de l'extension, il y a aussi un. Un haussement du level. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à 30 au maxi, là maintenant ça peut passer à 32. D'accord. Sachant qu'en plus, à partir du niveau 20, ça, c'est vraiment très très long pour acquérir une grosse expérience. Bah, les gars, c'est par là-bas. Donc là, en fait, ça a encore augmenté. Les trois personnages sont les mecs, il faut jouer un peu plus collectif. C'est là-bas. Vous êtes tous les gars, vous. C'est là-bas que ça se passe. Alors nous, nous sommes en train de visiter les souterrains de l'usine d'Amiens. Non, mais là-bas, mais c'est vous qui avez raison, on est allé nulle part là. What? Attends, il y a un truc qui se passe là. Il y a un mec qui prie. Ok, oh, ça c'est pas mal, Le regret, le regret absolu. Ah, on veut bien les potos, que vous nous rejoigniez dans un espace qui est énorme et qu'on est en train de louper. Aïe, 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 aïe. Super chargé, super chargé. C'est par où? Vénérade. Ils sont là-bas à l'intérieur. Ah, ok. C'est bon, j'ai trouvé, Norman, c'est là-bas, viens. Ah, on y est, hein. Attention, il y a des méchants là. Je viens vers vous, je vous le ramène, ok? On arrive, on arrive. Par exemple, là, je passe devant vous. C'est bon, je regarde. Bien crevé. Écoute, allez, bon courage. Salut les copains. Allez, salut. A bientôt. Dernière fois, je vais en Russie sans mon guide. Il est pas gentil, lui. Eh, je te démonte. Dans la tête, c'est pas mal ça. Et dans la tête, il couche pas. Attention, ulti. Mets ton ulti. Ah, c'est génial ça. Il l'a défoncé. Il est vrai qu'on fait des petits défis parfois qu'on joue. Michael, peut-être que t'as une idée, un truc à faire à Lucas pendant qu'on joue. Est-ce que Lucas joue aussi bien quand on est tactile avec lui? Ah non, c'est super stressant. Non. En plus, vous avez de la moisure, de la moiture. Je peux te faire le verre de terre dans l'oreille. Arrêtez. Allez. Attendez, là les mecs, on est d'accord, c'est une nouvelle grotte ça. Ça c'est ouais, avant ça, on ne pouvait pas aller là, il me semble. Donc en fait, c'est des les PGM de là-bas, c'est... J'ai une question. Oh les gars. Oh sortez, restez appuyés sur Théo, et mettez des coups de votre arme spéciale les gars. D'où Ah, il tape par terre. Il est très en colère. Il enlève juste un tiers de la vie. Défoncez. Et c'est terminé pour vous. Oh là là. Tout l'intérêt de jouer en ligne avec des copains. Ah oui, c'est quand on joue tout seul. On n'a pas le temps. Coup de couteau. C'est la marque. Coup de couteau. C'était une mauvaise idée. Coup de couteau dans les côtes. Oh là là. Ça, c'est pas mal. Réanime U6, c'est bon, on est bon. Je l'ai tué. Point de Cropta, morceau de l'épée du poing. Belle mission. On passe à la suite. Pas mal, hein. Alors je dois dire que j'ai été impressionné par la cohésion d'équipe à un moment. Alors. Et j'ai beaucoup apprécié l'attitude de JR qui est quand même venu sauver Lucas à un moment où Lucas était quand même pas très très bien. Je suis altruiste. C'est ça. Altruiste. Je suis comme ça. Il m'énerve, voilà. Il place tous les jours. Je le vois tous les jours, il dit altruiste. Je suis comme ça. Sauf qu'il l'écrit en deux mots. Voilà. Et il pense que c'est un hôtel à Marrakech. Altruiste. L'altruiste. Alors attendez, mais non, t'es 4. Ah, je suis 4 moi. On en a tué 25. Non, je suis le premier, merci. On en a tué 35, c'est nous. 28. C'est Mickaël le premier. T'as fait 7 c'est hier eux. Moi j'ai fait 28. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est Norman qui a fait 7. Moi aussi, c'est Norman. C'est Norman qui a fait 7. Moi je mettais pas les derniers coups. Il y a beaucoup de premiers coups. T'as fait d'assist kill. Ah, on avait un petit sniper.
à faire examiner par le... Là, je suis pas assuré. Hein. Vu que vous me demandiez qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans, ce, dans cette extension, oui. Il y a trois nouvelles missions. Dans les ténèbres souterraines, est-ce qu'il y a de nouveau dans les ténèbres souterraines? Il y a trois nouvelles missions, il y a deux nouveaux assauts et un raid de fous furieux qu'on fera à la fin. Avec une autre personne. Ça va être là, mais il y a une femme. Parce qu'il avait des boutons. Ah, il y a un début de JCVD là-bas. J'étais parti en Vandame, je suis toujours là. Je suis ailleurs. Mais je suis là. C'est peut-être le meilleur imitateur JCVD. Attends, je vais faire en direct. Autant le faire. Ferme les yeux. Bonsoir à tout le monde. Ça fait plaisir. On est ici, on s'amuse. La vie, c'est quoi? C'est l'amusement. L'amusement dans Destiny, c'est la galaxie. J'adore la galaxie. Ça va pas bien. Alors, il a l'air de devenir un petit peu plus des antilles que de Ouais, là-bas, les gars, c'est parti, on a pas le temps. C'est assez beau quand même. Alors, je sais pas qui part en bas, attends, mais ça, c'est une nouvelle map, ça. Oh, les gars, il y a du monde, je vais me faire one shot. Ah, tu veux faire? Ah, je me suis fait un petit peu plus chaud. Mais on a testé les Twittos. Voilà, et on a vu que c'était réactif. Alors, c'est Norman qui va jouer, moi je joue qu'à l'extension. Alors, je vais crever. C'est simple. Je veux la nouveauté. Vu que tu viens quand même de nous foutre, moi, je suis la le joueur poubelle. Devant je la reste. Non, allez, limite, devant la la toile entière, je te propose là-haut, là. Un gage. Là je te propose. Tu lui fais le verre de terre. D'aller embrasser sur la. Lucas, dis non, dis que toi tu peux pas. Non, moi, Lucas, je peux pas, il est chaud. Lucas, il est chaud. Ah non, on veut voir ça, tout le monde. Non, mais les gars, il y a aucun moyen. C'est bien défini. Si vous voulez que Yann embrasse Squeezie. Vous nous envoyez oui si vous voulez absolument qu'ils s'embrassent tous les deux sur la bouche. Engage. Car cet assaut ne fait pas partie de l'extension. On nous a menti sur la marchandise. C'est vrai, on nous a menti. Et envoyez plus. J'ai si quitté des plateaux pour moins que ça. John, on peut le dire. On peut dire que c'est l'arrivage de Wii. Et oui, John le confirme. Non, s'il non, te non, plaît. Le bisou. Le bisou. Le bisou. Il n'y a pas moyen. Oh, mais si, pas. Regarde. Tout ce que vous il faut les le aider. Pas. Il faut les aider. Non, je le ferai tu pas. Ah, regarde, je te tiens la tête. Je le ferai pas. Yann, drague. Oh je peux trouver un autre pas. Défi comme est-ce que tu peux lui lécher les orteils? Non, mais les gars, vous avez tout ça le problème. La seule personne que j'embrasse, c'est Jumbo, c'est mon chat. Je vous cache pas que je suis plutôt. C'est dégueulasse, encore plus dégueulasse. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent encore avec moi ou je suis tout seul? Vraiment, moi, j'éclate des gens. Mais alors là, on risque pas de terminer cet assaut. Mais bien sûr que si. Non, je me trompe pas. Il y a John Rachid. Oh là, attention, il y a Hugolin qui arrive. C'est clair que là, on déconne plus. Ah ouais. Bah oui, il y en a qui travaillent. Oh là là. Ah oui, y en a qui regarde, regarde, ouais, gros, gros, coup de mètre. Je suis bizarre. Ouais. Grenade. Oh. Oh. Voilà, j'ai tué 4 monstres en même temps. Super chargé. Alors, super chargé. On le fait. Allez, et vas-y. Et là, vas-y, fonce. Yeah. Et tu vas donner des coups de coutale, vas-y. Ah oui. Hop là, yeah. Deuxième coup de coutale. Allez, Jean-Michel, pas le temps. Troisième, quatrième, cinquième. Allez. Je pense que ça mérite un bisou. Aussi. Le bisou. Non mais, ils vont caler partout, quoi. Quelqu'un tombe, un bisou. Ça suffit. On réanime. Je réanime. Vas-y. Oh. On va mourir. Oui, et voilà. Visez bien le trou. Et comme par hasard, c'est toi qui dis ça. C'est pour faire plaisir. Vraiment. Alors là, faut trouver le prêtre Archonte. Parce qu'il y en a qui jouent un peu. Ouais. Hein. Ah, l'Archonte, toujours l'Archonte. Tu penses qu'à Je me suis fait la réflexion la dernière fois. Tous les jeux vidéo seront gratuits. Il y aura un Lucas, président de la République. Un Enzo. Ah, les gars, je fais un endroit, c'est je fais Mathieu. Un endroit, c'est un Mathéo. C'est pas mal ça. Enzo Sarkozy. Alors, le programme. Non, mais les vieux prénoms reviennent à la base. À la base, c'était un apôtre. Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Lucas, c'est le diminutif de Lucarne. C'était une fenêtre. C'est quoi, je me rappelle très bien de celui-là. On avait galéré de ouf. Il y avait Gaël, il y avait peut-être José même. Ouais. Je me rappelle, on avait même. Mais je me rappelle, il y avait une technique. C'était de se cacher derrière une pierre là. Non, c'était en haut là-bas, ouais. Ouais. Attends, mais j'en ai plein en plus. Vas-y. Améliorer, triangle. Et bah, tu prends, t'es preneur. Tu es preneur. Donc voilà. Ça va être chaque objet que tu as. On peut les améliorer aussi, plus qu'ils utilisent. Pour qu'ils soient plus puissants, qu'ils tuent mieux. Des meilleures défenses. Ouais, si tu veux un peu. L'Archonte, le père Archonte. Alors, petite astuce, que moi j'ai des astuces hein, en tant que programmeur. Ça, c'est un petit cadeau que tu ramasses. Un loot. Oui, un loot, et ça te donne un pistolet. Les gars, vous lui mettez plein la gueule à lui. Ah, c'est le boss ça. Voilà, ça part sur une taille un peu démesurée. Tirez dessus tout de suite. Il est vrai. Grenade géant. Tel Vandame. Je réfléchis pas, je vide mon chargeur. Axor. C'est marqué dessus. Et oui. Deuxième astuce hein. Ouais. Là, on peut viser dans l'œil du gars et ça lui fait plus mal. Du haut serviteur, je veux dire. Du haut serviteur. Oulala, mais y'a des gars qui arrivent en plus. Ah, là par contre, c'est vrai. Avec ce poteau. Ah, oui, parce que là, je m'en rappelle, c'était extrêmement chaud.
Mais il a eu mal le Fresh Archont ou... Ah ouais. Lui c'est un, c'est Axor. Axor. C'est allez. Axor, assureur militant. Assureur. Axor. Axor, être militant. Non, non, ce serait sympa non. D'aider Norman sans. Bah, en même temps, est-ce que je vais court faire donc. Aidez-le quand même à fuir. Il sait pas bien fuir. Calme. C'est l'enfer de la dépression. Ishtar, ici le crack circule. Ici sur Ishtar le crack circule en vente libre. J'ai le droit de il est très très dur à tuer, Axor quand même. Ouais. Et non, vas-y. Mais t'es chargé. Allez, encore. T'es encore. Chargé encore. Vas-y. Vas-y, encore, encore. Allez, j'ai paru. On est vraiment concentré. What? Ah, aussi, j'ai plus. Écoute, on verra à la fin combien Norman a fait de frag. Alors, attends, moi comme d'hab, je fais tous les débuts de kill et après tu prends. Tu me voles les frags. Je l'ai ravimé. Tu l'as ravimé. Je suis un ravimeur moi. Merci beaucoup, ma gueule. Les gars, il y a des collecteurs, tu veux des collecteurs? Grenade, oula, elle est belle celle-là, elle est très belle. Il est presque mort quand même, Axor. Ouais. Allez, normal, on est avec toi, vas-y. Oh non, oh non. Oh non. Juste avant la fin, comme d'habitude. Attention, réanimation, bim. Bravo, ça c'est solidaire. C'est aussi solidarité. Ça, c'est ça l'assureur militant. Ça prend pas la gueule. Oh yes. Bravo. Yes. Merci beaucoup. Ah, merci à toi. Waouh. Bravo. Je veux voir pour cette belle mission. Normal. Ça a été un plaisir de passer ce moment avec vous. Très bien géré le joystick gauche. Beaucoup. Oh le coup, le viol. Le Yann, c'est la voiture. Vas-y, Yann, sors ton pénis. Yann, merci, c'était sympa. A bientôt les gars. Attends, est-ce qu'on peut demander à un pro gamer qui nous valide que c'est moi le plus fort ça, de cette partie? C'est moi le premier. Il y a 118 frags. J'ai le double de vous. Et c'est bien ce que je disais, je ne suis pas le premier. Bon messieurs, on a un petit peu envie de voir l'extension parce que forcément je me suis gouré juste oui, avant. Oui, je peux jouer. J'ai envie de jouer l'extension maintenant. Bien sûr. Un joueur nous a quitté. Mais un joueur va t'arriver. Bah, Mikalo, on fait du bruit pour lui. Énorme. Un pro gamer. C'est quoi ton record de longévité de live? C'est 45 heures. Il a joué 45 heures. 45 heures d'affilée. Sans dormir. Au même jeu. Au même jeu. Non, plusieurs jeux. Plusieurs jeux. Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu voyais dans ta pièce? Il avait une petite hallucination. J'ai une hallucination. Attends, déjà, tu l'as actuellement. Il l'a encore. C'est les 45 heures, ça me trouble encore. J'ai vu une abeille, en fait, qui n'était pas du tout dans ma chambre. Ah ouais, c'est pas ouf, quoi. Je pensais que c'était un truc malade. Ouais, j'ai vu une fourmi, c'est excellent. C'est quand même génial de voir un animal, un insecte qui n'existe pas, quoi. Oh, il y a l'abeille. Là, on va jouer, donc, là, c'est vraiment l'extension. Non. Waouh. Il faut que Yann, tu l'embrasses sur la bouche. Oh c'est bon, tu sais, à chaque fois que je fais un truc pas bien dans ma vie, tu dois embrasser Yann. Ouais, il a fait une faute de conjugaison, tu vas l'embrasser s'il te plaît. Voilà. Si jamais vous avez il faut du niveau pour passer ce truc. Hein. Ouais. Je voulais tester. Squeezie, est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour mon public à moi, ça c'est grave, je me fais un gif, faire une karima. Deux secondes. Dès que t'as fini de parler, il va y avoir un petit silence et tout le monde va être à l'écoute. Vas-y. Et moi je suis pas prêt à faire vas-y, ça. Vas-y, fais-moi une karima. Oh, c'est karima. Oh, attends, elle était trop loin avec moi. Allez, bientôt, salut. Je vous emmerde, je rentre à ma maison. Ah, il tient le Cartman, voilà. Alors, on est d'accord, c'est là... C'est carrément mieux sur le grand écran. Il faut juste rester en vie, on est d'accord. Oh là là, mais je connais pas cette map. Mais oui, mon gars, c'est l'extension. Oh, c'est beau, cet anneau, là. C'est pas mal du tout. Ah, c'est beau, hein. On dirait Stargate. Tu es très lancé, hein. C'est mon style, c'est mon style. Ah, c'est un méga tactique. D'accord. Ah, non, d'accord. Par exemple, pour me tuer, je préfère un style sur PC, tu vois, donc je bouge pas trop. Il y a le sniper en face, avec ton sniper, Mika, vous plaît. Ah t'es en sniper. Ah ouais. C'est beau ça. Là-bas. C'est que des nouveaux endroits. C'est sous. On est sur quelle planète? Yann. Comment? On est sur Mars là. Voilà. Donc, là, on a Mika qui est en train de faire du sniper. On est sur Mars. Moi aussi. Oh là. Je suis alors, le dernier là, joueur si tu en meurs, vie. T'es dans... Tu laisses tout le monde dans la merde là si tu meurs. Ah ouais mais les mecs ils se font exploser et moi je. Bon les mecs. Super chargé. C'est parti. T'as un problème contre la technique de jeu des Monstars? Des Monstars. C'est ça? Des Monstars. Est-ce qu'on peut dire que c'est la première fois qu'on avait entendu I Believe I Can Fly? I Believe I Can Fly! À l'époque, ils faisaient des BO magnifiques. Ils parlent de Spectre, mais on va revenir sur. Alors, Destiny, il y a une BO de malade mental, ah. Et c'est vrai! C'est vrai? Paul McCartney! Il y a Paul McCartney! Tu peux te la raconter? Parce qu'il a son clip, j'ai vu ça hier, voilà, je m'instruis un petit peu dans le milieu jeu vidéo. La musique épique est magnifique dedans! Et la musique est belle et surtout son clip il est projeté en hologramme dans le jeu, voilà. Eh oui, merci à tous. On veut des anecdotes sur le jeu, ouais. Alors l'anecdote, le spectre, le petit objet que vous avez utilisé. Allez. C'est dans la voix, dans la version originale, c'est la voix de Tyrion Lannister dans Game of Thrones. Son nom d'acteur. Peter Dinklage. Peter en France est doublé par Thierry Lhermitte. C'est Thierry Lhermitte qui double. J'allais dire Mimati, mais tu m'as eu. Thierry Lhermitte, t'es pas mal du tout. J'ai une anecdote sur Norman et la création du personnage quand on jouait pendant un mois.
Il a passé 3 heures à créer son personnage. Je l'attendais pour jouer. Je suis désolé d'avoir du goût et d'avoir un style. Il prend tout le temps des femmes. Par contre, ça, c'est vraiment son truc. Il prend des femmes. Alors, moi, j'ai un avis là-dessus. En tant qu'homme qui aime les femmes, je préfère avoir devant moi un courtisan pendant des heures plutôt qu'avoir un mec qui possède une teub. Donc, désolé. Je joue tout le temps des persos féminins. Il faut des bonhommes pour aller à la guerre. C'est le PGM. C'est le même argument, quitte à avoir quelqu'un devant moi tout le temps, autant que ce soit une meuf avec des petites courbes posées. Ah ouais. Mais quand t'es de l'autre côté, qui est mort, je suis mort. Non. Hop, la réanimation. Je récupère de l'énergie. Alors, là en plus, il a réanimé avec très peu de vie. Ça montre que c'est un vrai frère prêt à se battre. Un pote te réanime à chaque fois. T'as l'impression que quand il y a... Ouais, c'est passé un truc de ouf à chaque fois. T'as tu peux le faire. Ouais, grave. C'est mon... That's my boy. Il y a une fraternité qui se passe quand tu te réanimes. Je te réanime. C'est mes moments préférés. Squeezie, vraiment dire que quand tu fais Vandamme, tu fais un belge. Hein. C'est pas du tout Vandamme. Mais en fait, j'imite pas du tout Vandamme. Toi, tu fais l'accent belge, tout simplement. Je fais uniquement l'accent belge. Je me sens sale. Hearthstone. Ouais, mais qui ? Gnome les poings ! Oh ! Allez ! Il a sorti. Ça part sur des imitations d'Orstone, d'accord. J'ai un délire avec les présidents, ok. Donc tout à l'heure j'ai dit, on aura peut-être un président qui s'appelle Enzo Kylian. Et je me dis, un jour on aura peut-être un président qui aura joué à WoW. C'est vrai. Ah, ce serait fantastique. Et qui serait ? C'est possible. Ouais, Destiny, même. Typiquement, dans 20 ans, on pourrait avoir un président. Mais moi j'ai gamé à discours. Destiny avec François Hollande. Alors, après, c'est peut-être juste le président. Les présidents actuels non, mais je veux dire un jour peut-être. Imagine un jour, le président il a joué à WoW, fait un discours et fait écoutez, j'ai été druide. un truc rassurant, tu sais. Je sais ce que j'ai été pâle, j'ai été pas là, voilà. Je sais ce que c'est que de ressusciter un allié. Qui veut la manette? Moi, je veux bien jouer. J'adore jouer. Tu veux jouer? Vas-y. Allez, on fait moite-moite, hein. On fait moite-moite pour voir ce qui se passe. Je pense que ça transpire sur la main. Ah ouais. On parle de la transpiration. Oh merde, c'est dégueulasse. C'est la difficulté supplémentaire. C'est aussi ça, je crois, l'extension, c'est qu'il y a. Tuer l'esprit. Oh putain. Oula. Oula, ça c'est du jamais. Donc là, par exemple, lui. Ouais, je sais pas. Oula. Jamais vu ça. Approche-toi pour qu'on voit un peu. Ah ouais, ouais. Approche pas, approche jamais vu. Donc c'est un boss que tu peux pas tuer. Oh là là, il est incroyable celui-là. T'es bien alors. Et JR et lui se concentrent sur l'esprit éternel. Ah, il a un peu de feuillage sur la toupie, lui. Je te réanime, voilà, on a fait le relais. On est pas mal. C'est vraiment, quand t'as fond dans un jeu vidéo, ta production à côté, elle sort comme ça. C'est horrible. Ouais, c'est clair. Et là, j'ai une autre information, les gars. J'ai pensé, il y a aussi trois nouvelles maps. Hein, Ah oui, mon gars. Bah voilà, bah, les infos, faut les donner aussi. Bah, hein. Oui, mais justement. Nous, on attend. Et... J'ai parlé avec toi, tu disais que le live, justement, ils étaient. C'est incroyable ce boss. Mais les gens sont beaucoup trop bons, mec. Sur et ça m'a fait penser à ça. Le plaisir de ce jeu, moi je trouve que quand c'est des gros boss comme ça, qui étaient à 4-5, c'est magnifique. Avec des poteaux. Avec des poteaux, on l'a fait pendant un mois, c'était magnifique ça. Eh, restez en vie les mecs. Vous êtes bons? Quelqu'un peut me réanimer ou pas? Bah, je vais le tenter mec, mais vas-y, je le tente. Là, on était parti en mode sérieux là. Ouais. J'ai tenté, mais là, c'est une personne rigole. C'est bon. On peut finir le boss. Regarde, là, j'ai un bazooka. Moi, un bloc, allez, le bazooka, ça va être assez rapide. Tiens pas sur le bouclier avec ton bazooka, hein, mon gars. Oh, j'ai vu. Ça descend très fort là. Bien collé ça. Oh putain, ils ont spawn sur nous, mon gars. Ah non. Derrière toi. Oh la guerre. Mais non, mais reste pas là du tout. Oh là là. Je pensais que j'avais des coéquipiers qui allaient me défendre. Que dalle. Tout perso. Moi je suis pas un joueur. Ah, c'est beau ce qu'il a fait. Ça réanime, je veux dire, tu viens de dire. Ça, c'est vraiment beau ce qu'il a fait. Va réanimer Lucas. Je réanime Lucas, je suis un putain de frère. J'y perds pas de. On pense à ma boule. Ça, c'est très chaud. Ah, c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Ah, il est sur moi, mec. Non. Ah, dégage. Non. Gallo, s'il te plaît. Tu peux tenir 25 secondes. Allez. C'est bon, je suis là. T'as tenu 45 heures. Tu peux tenir 25 secondes. Pourquoi il a 3 boucliers sur. Il en a 122. Ouais. Abusé. Vraiment lourd le boss, le nouveau boss. J'adore. On applaudit Mika de Mikalo. On l'a pas entendu, mais il a fragué. C'est normal, le mec dort pas. Les ennemis l'ont plus entendu. Il a fait juste 5 fois plus de frag que nous. C'est normal. Ce mec, il dort pas pendant 45 heures. Oui, attends, j'avais une question qui me taraudait et je me lance. sur les 48 heures et l'abeille là, c'était sur ce jeu ou un autre jeu? Non, c'est plusieurs jeux. Ah ouais, vraiment un taré quoi. C'est la première fois que je joue. Ah! Attends, ouais. tu te sens nul là ou pas? Bah oui! Ouais, moi, écoutez, je quitte le plateau. Je quitte le plateau, je suis dégoûté. Et donc là, on va tous jouer. Il y a 5 postes là-bas et un là. Exactement, on va tous jouer. Et normalement, c'est
hyper, hyper difficile. C'est mais pour les gros, gros, gros gamers. Mais genre, si juste Mika, il va tout seul, non, ça oui, normalement, ça va. Logiquement, oui. Mais on est là. Mika suffit, normalement. Logiquement, on est là pour l'embêter. Donc, du coup, pour le bien de tous, est-ce que ce serait pas le moment du bisou? Ça va pas du tout en ce moment. C'est ah oui ça va pas du tout. Parle-nous. Tu peux nous en parler? C'est-à-dire que j'ai des envies de fraises, de melon. De comme une femme enceinte. Ouais. Et oh moi j'adore nos vaisseaux, on dirait vraiment les Power Rangers quoi. Viens on les assemble les vaisseaux. Et ça fait un Megazord. Un truc de ouf. Attendez. Qui est qui? Yann c'est qui le 12? Merde. Moi ça c'est moi ça. Moi je tourne sur moi-même. John Rashid c'est le 5, Yann c'est le 6. Non Yann c'est 11. Yann c'est 11, il tombe moi, sur lui-même. Voilà, tout à fait. Et Norman, moi je suis assis par terre. D'accord. Norman, moi je suis par terre. J'ai envie de vomir. Je suis en train de faire une sorte de petit salut Norman. Là. Norman c'est 6. Eh, on fait un truc pour le délire. Allez tout le monde. Et on se tient dessus pendant qu'on danse comme des bêtes. Allez on arrête. Allez c'est parti. Ah là ça va être bien plus... Ça... Regardez. Ardu. Regardez, ardu. En fait on dirait qu'il n'y a pas de pont mais on peut marcher dessus. Regarde. Oh non. Il y a les comme ça les gars, comme ça. Quoi? Mais non mais attends. À bientôt. C'est bon non, faut tomber dedans. Faut aller dans le trou. C'est une sorte de Stargate. Ça me rappelle un vendredi soir. Ah c'est génial ça. La musique dans la peau. Faut pas avoir peur de vomir. Et réapparition limitée les gars. Voilà, c'est à dire quand tu meurs, tu meurs, tu fermes ta bouche. Bon là ça va être très dur là, oh là là, c'est dark, c'est... On dirait une vieille cave de la cité. Eh, je suis pas bien là. Tu vas souvent dans les caves de la cité ouais. Attends, mais mec, si ça ressemble à ça, la, ta cité, c'est chaud quoi. Ah ouais, mais moi, c'est une cité dans les ténèbres. Hein. C'est la pire, c'est la plus chaude. Ah, dans la ténèbre. Oh là. On y allez, va, les gars. Je vous couvre derrière si jamais ça arrive. Ils sont tous niveau 30. Ce qui est génial, c'est que. Ah, vous êtes là, ok, c'est parti. J'arrive dans la guerre direct. Ah bah oui, hein. Ah, c'était une tentative vandale. Ouais, c'était un truc. C'était mi-vandale, mi-vandale. T'es où, Norman? Je suis. Quelque part. Non, ah. Oh non. Ok, l'autre. J'ai réanimé, je t'ai réanimé parce que JTM. J'arrive, je vais te réanimer. Dans 3 secondes, dans 2, 1, on peut me réanimer maintenant. Je suis là, Cypri, dame. Oh merci. Qui m'a réanimé là? Mais c'est moi, c'est Yann. Oh merci Yann. Ouais. Le Yannou. Là, mais non, mais lâche. Oh là. Oh, je suis remords. Je savais qu'il fallait pas que je joue avec vous. Il y en a encore beaucoup, j'ai mon super chargé, je le lance maintenant ou pas? Eh ben lance-le, fais-toi plaisir. Le dernier gameplay de ce live. Je vais réanimer le deuxième. Mais ça me fait plaisir, ça me fait c'est plaisir. C'est bon, bah je t'ai réanimé mais je suis mort. Ah j'ai mis une grosse grenade. Les gars, faut réanimer. J'étais à 97%. Moi je suis un peu très mort. Je suis bien réanimé, c'est moi j'ai réanimé personne moi. Mon palec. On peut me réanimer. Attends, je m'en palec. Faut réanimer les gars. Ah dès que j'en réanime un, il réanime son prochain. C'est parti, on fait une chaîne. Attention par la gauche. Et voilà, je suis mort. Nickel, concentration. Allez, le 6, je viens réanimer. Le 6, je viens réanimer. Bien joué. Viens réanimer. Oh, il va me réanimer. Il est mort. Allez, Mikalo. Il va me réanimer. Il y a un chaud. Mec qui est en vie, c'est le mec qui voit des abeilles. Il y a que c'est... lui qui sait jouer. Ah non, il y a beaucoup trop de monde. Ah, c'est la fin pour Mikalo. Oh non, Mikalo. Oh non, à cause de toi, on a perdu. J'étais super bon depuis le début. On peut quand même s'applaudir parce que. Bravo. Très courte tentative. C'est très dur et ça promet des vraies parties de ouf. C'était épique. Et c'est j'ai pas vu le nombre de frags, mais je crois j'avais que. J'avais 54 et le deuxième avait 21. C'était moi à 21. Tu m'énerves déjà. Une abeille. Il y a une abeille. Va voir l'abeille. Voilà. Moi je sais que je peux le faire lors d'une grosse soirée avec tous les potes connectés. Là tu peux le faire. Mais là c'était compliqué à faire. Zach, on n'est pas copains donc du coup vu qu'on n'est pas potes, on peut pas arriver. Non mais c'est vrai, c'est ça qu'il a voulu dire. Posé dans ta chambre à fond, tu le fais, c'est sûr. Nous on a fait des plus gros boss que ça, l'araignée notamment. On a fait des boss. Arrête de faire Vandamme. J'ai pas fait Vandamme là. Spider. Ouh, elle est très très belle. Oh là là, lourd. Attends, mais celui qui va acquérir ce bien va être content. Waouh. Il va être très content. Fais le voler comme dans le jeu. Attends. Petit délire. Allez. Tyrion Lannister. Voilà, c'est ça. Mais comment le savez-vous? En tout cas, merci beaucoup déjà à vous. Merci d'avoir participé. C'était un vrai kiff. C'était très bien. Est-ce qu'on peut parler honnêtement ce soir? Allez, vas-y. Je pensais qu'on allait durer un petit peu plus longtemps sur le reste. Ah. C'est vrai que cet endroit-là, par exemple, il y avait vraiment plein de rochers là. Et je pense qu'il fallait juste se prendre un rocher chacun et aller. Mais tu nous dis ça maintenant? Moi j'ai l'impression que ce monde-là, c'est quand tu fais une fatalité dans Mortal Kombat, tu tombes là. Ouais, c'est ça. Il y a embrouille. Tu tombes là-dedans. Il y a vraiment une grosse embrouille. En tout cas, merci beaucoup encore. Merci à vous. Merci et à on vous. Va faire, merci. On va faire un truc tout con, on va applaudir les internautes. Parce qu'ils déchirent. Merci.
Merci de nous avoir suivis sur le live. On a tenté des trucs, on a tenté du lourd, on n'a pas réussi forcément. Voilà, donc c'était finalement Destiny. Yann, est-ce que tu veux pas conclure? Clôturer, comme on dit dans chlore. Le métier. C'est chlore, non, c'est dans la piscine, le chlore. C'est allez, moi je parle là-dessus, c'est ma dernière vanne. Alors moi, j'aurais envie de conclure d'une seule façon. J'aimerais bien que le live se termine d'ailleurs là-dessus, parce que ça a fait un petit peu notre fil rouge, Lucas. Oui, c'est le bisou. C'est le dé. J'avais envie de le pécho. Bah, c'est le dé. En fait, moi, quand on avait oublié. Non, lui, il n'avait pas d'oublié. Non, mais il y a pas. C'était un défi proposé par Mickaël. Il y a des hommes qui se cherchent ce soir. Mickaël, ils sont en train de tâter. Tu es devant ce stream, c'est pour toi. Chérie, probablement pas devant. Je retire mon anneau. Ah. Moi, je me mets aux premières loges. Ma chérie, je t'aime quand même. Alors, on joue la scène, c'est vrai. Vous rentrez du boulot, tu trouves pas. Ah, mais attends, ça marche. Tu viens de poser ton passereau. Tu rentres, il y a ta femme. Moi, je suis comme ça. Il y a ta moi, femme je suis comme dit. Ça, j'attends comme ça. Voilà. Chérie, je vois pas que tu es déjà prête. Je vais t'inspecter. Non, c'est pas. Oh chérie, oh tu es là. Oh, toi aussi, tu es là, chérie. Comment tu vas bien? Oh, c'était pété. Merci à tous, à bientôt merci, la cigale. Merci d'avoir suivi le live et à très vite. À bientôt.